la stratégie de chacun est aussi importante pour pouvoir essayer de pouvoir tenir ce style de siège et tes coups d'œufs et une guilde peut-être forte, mais renforcée aussi par des mecs de la 1, parce que je me suis renseigné. Mais c'est là-dessus que ça se joue, quoi. Et si on veut essayer de faire du tournoi, enfin au moins faire le tournoi dans 4 semaines maintenant, c'est là-dessus qu'il faut se baser. Il y a trop de personnes, comme l'a dit tout à l'heure Revo, qu'ils y vont à la voile again. Et moi, franchement, ça me gonfle parce que je le dis pas en tchan parce que c'est pénible, mais à un moment, faut aussi se remettre aussi dans les bonnes questions et savoir pouvoir mouver des runes pour essayer d'être optimum au niveau de l'offense. Vous conseillez quoi sur Woussa, Iris, Savannah? Bah, Peut-être alors moi, pas l'offense que je fais. je suis passé avec Feng Yang, Ariel, Vela. Par contre, c'est assez stonk chez moi. Jeanne, la Nikki O. Léo. Jeanne, Annabelle, Léo. Ouais, mais par contre, Léo, super stonk. Jeanne, super rapide pour qu'elle puisse passer derrière au niveau de l'IMU. Parce que bien sûr, la team adverse est vachement IMU. Donc pour essayer de choper tout le monde avec Jeanne pour pouvoir laisser tranquille Annabelle et Léo.